tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui m'aide beaucoup de retrouver un corps en plus petit très rapidement. Donc, je vais vous parler d'un régime au jus d'orange. On peut l'appeler un jeûne au jus d'orange parce que pendant 3 jours, il faut que boire et rien manger. Donc, on va mélanger 1 litre de jus d'orange avec 1 litre de l'eau ou peut-être 2 litres de l'eau, c'est comme vous voulez. Pour moi, ça marche avec 2 litres de l'eau et consommer ces boissons au cours de la journée. Que ça. Mais ce n'est pas si difficile parce que le jus d'orange est très sucré. Donc on va boire quelque chose de très bon. Très bon aussi pour notre corps car le jus d'orange est connu pour ses propriétés détox. Donc il va éliminer toutes les toxines de notre corps. Et il va aussi éliminer complètement les envies de sucre. C'est difficile à croire parce que normalement mes envies de sucre sont énormes. Mais après ces régimes, ils disparaissent. Oui, je sais, c'est bizarre. Non, il y a une explication scientifique. Pour moi, c'est la chose presque la plus importante. Bien sûr que je suis très heureuse de perdre ces 3 kilos parce que moi, je perds jusqu'à 3 kilos et jusqu'à 3 cm. Mais c'est ce que j'adore vraiment et que après ces régimes, je peux gérer mes envies très très bien. En fait, ça me permet de changer mes habitudes alimentaires parce que parfois, mes habitudes alimentaires ne sont pas aussi bonnes, je dois avouer. C'est conseillé d'utiliser le jus frais, fait par vous-même, parce que comme ça, vous avez une garantie de qualité. Vous pouvez faire le régime de 3 jours, 2 fois par an, ou la même chose, mais qu'un seul jour, une fois par semaine. Donc, c'est comme vous voulez, en fonction de vos besoins. Moi, quand je me sens bien, j'aime bien de faire un jeûne à l'eau. Je bois que l'eau tous les lundis. Pas toujours, mais la plupart des lundis, j'essaie de boire que de l'eau, rien manger. Le jus d'orange est connu par son effet détox sur votre corps. Donc, il va éliminer toutes les toxines, mais pendant cette élimination, vous pouvez avoir un mal de tête. Donc, pour moi, la première journée est la plus difficile, la deuxième est moins difficile et la troisième, normalement, elle est la plus facile. Peut-être c'est bizarre parce que vous pouvez penser que si je ne mange pendant 3 jours, c'est la troisième journée qui sera la plus difficile, mais croyez-moi, c'est la première. Donc là, je vous conseille de préparer un peu d'ibuprofène au cas si vous allez avoir un mal de tête. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. À chaque fois que les toxines sont éliminées, ils sont tout d'abord éliminés dans votre sang. Et en fonction des quantités de ces toxines, vous pouvez vous sentir pas très bien. Donc, ça veut dire que les plus toxines vous avez dans votre corps à ce moment, les plus mal vous allez vous sentir. Mais après, ça va passer. Je dois aussi vous dire que cette perte du poids, ce n'est pas une perte des grains, c'est une perte de l'eau. Donc là, si vous allez ensuite manger mal, surtout le sucré, vous allez très vite retrouver votre forme d'origine. Donc c'est à vous de décider comment vous allez gérer vos habitudes alimentaires après. Mais parfois, peut-être avant d'une soirée spéciale, très importante, ou pour la fête, on a besoin d'un corps un peu plus petit. Dans ces cas, vous pouvez suivre ces régimes pour avoir un résultat express. J'espère que cette vidéo va vous aider à perdre un peu de poids de temps en temps. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Ciao !